dans le cadre de la riposte du Bénin à la pandémie de la COVID-19, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a lancé la mobilisation générale de notre pays en invitant les populations béninoises âgées de plus de 18 ans à se faire vacciner gratuitement. Et c'est en écho à cet appel du chef de l'État que la plateforme pour la promotion des acquis de la rupture a démarré depuis quelques semaines une croisade dans toutes les communes de notre pays pour sonner la mobilisation, inviter la population béninoise à adopter les gestes qui sauvent, à se protéger et à protéger nos communautés à travers la vaccination. C'est dans ce cadre que nous nous retrouvons ici aujourd'hui à Ouida pour échanger avec les acteurs de protection du département de l'Atlantique pour les amener à comprendre les enjeux du moment et à s'engager dans la lutte. Mais je voudrais également et surtout ici, depuis Ouida, lancer un appel à l'ensemble des autorités politico-administratives de notre pays, notamment les élus locaux, ainsi que les responsables des formations politiques, qu'elles soient de l'opposition ou de la mouvance, afin qu'elles soient les porte-voix de ce combat que le chef de l'État a lancé contre la COVID-19. J'invite donc instamment les leaders politiques, les autorités religieuses, les cadres à tous les niveaux, les autorités morales, les têtes couronnées, mais surtout les maires de nos communes, les chefs d'arrondissement, les chefs de quartier et de village, à donner l'exemple, à se faire vacciner, à sensibiliser leur population, à les amener donc à faire les gestes qui sauvent. De plus en plus, la pandémie touche les couches juvéniles, les enfants, les jeunes, les adolescents, les personnes âgées, contractent de jour en jour la maladie dans notre pays, développent des formes graves et en meurent. Et le constat est que sur une dizaine de cas de contamination, 8 à 9 cas concernent les personnes non vaccinées. Cela veut dire que la plus forte population concernée par cette maladie ou qui contracte cette maladie de plus en plus dans notre pays, c'est les personnes non vaccinées. Et c'est pour cela que les leaders politiques doivent s'engager, les autorités à divers niveaux, les élus locaux doivent s'engager, à l'instar du gouvernement, comme vous le savez, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a donné l'exemple en se faisant vacciner lui-même. Les membres du gouvernement se sont vaccinés. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures également pour rendre la vaccination obligatoire à certains corps de métier. Tout ça dans le souci de préserver l'intérêt général, de préserver la population. En faisant écho à cet engagement et à cet exemple donné par la plus haute autorité de notre pays, il est important que les autres autorités, qu'elles soient administratives, qu'elles soient politiques, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient morales, qu'elles soient traditionnelles, puissent emboîter le pas au chef de l'État pour que cette croisade devienne une croisade nationale. Il y va de la vie de notre pays. Et c'est pour cela que la plateforme pour la promotion des acquis de la rupture en remercie une fois encore le président de la République pour les mesures courageuses qu'il a bien voulu prendre pour protéger notre pays. Nous voudrions donc inviter, depuis Ouida, ici où nous sommes, l'ensemble des populations béninoises à faire le bon geste. Aujourd'hui, on doit arrêter de tergiverser. On doit arrêter de tenir des débats inutiles et des débats stériles sur l'utilité ou non de la vaccination. La question ne se pose plus de savoir si la vaccination elle est utile, elle est nécessaire, est-ce qu'elle est salvatrice. Aujourd'hui, l'état de la connaissance actuelle nous amène à dire et à affirmer avec certitude et conviction que la seule manière de se protéger, de protéger nos communautés, de protéger notre peuple, c'est de se vacciner. Sensibilisez vos populations. Chers élus locaux, donnez l'exemple, faites-vous vacciner, vaccinez vos populations, sinon demain, vous n'aurez plus d'électeurs, vous n'aurez plus de bras valides pour conduire le développement de notre nation. Et c'est de cela qu'il s'agit, c'est un enjeu qui dépasse les enjeux politiques et politiciens, c'est un enjeu qui va au-delà même des enjeux individuels, c'est un enjeu collectif, il y va de la survie de notre pays. Et nous voudrions donc vous inviter à faire le bon geste, vaccinez-vous, faites vacciner les vôtres. Protégez le Bénin, protégez vos populations. Je vous remercie.